Quand tu prends et tu sèmes dans la vie d'un orphelin ou de quelqu'un qui est dans les problèmes, et que tu n'attends rien en retour, pas que tu vas aller partout dire c'est moi qui l'ai aidé. Tu es en train de semer quelque chose que sur des générations, tu vas récolter, tes enfants vont récolter, les enfants de tes enfants vont récolter. Quand j'entends quelqu'un me dire que j'ai donné dans tel orphelinat, jusqu'à sent que ce qu'il a donné, ça lui a coûté, je suis jalouse. Parce que je connais ce qui arrive. I know the reward that is coming. I know the reward. Je connais la récompense qui est en train d'arriver. Parfois, vous simplifiez ce que vous donnez, vous ne savez pas que les gens ne donnent pas. Les gens ne donnent pas. Quelqu'un peut te dire, ouais, j'ai dépensé 1000 euros, je me suis acheté un sac à main, regarde, oh, c'est beau, non? Tu viens, tu dis, ouais, aider, on est en train de faire tel projet pour construire, mettre le toit de tel orphelinat. Oh, 3 euros. Ça, ce n'est pas donné. Donner, c'est quand tu donnes quelque chose, que tu, là où tu es là, ça te coûte. It is costing you something. It's taking something to give what you're giving. Ce sont des voix violentes de dire à Dieu que appelle-moi. Violence. You use violence to call God. Tu utilises la violence pour dire à Dieu que hey, hey, c'est comment non? Tu ne me vois pas depuis. Ça fait 8 ans que tu es dans un pays, tu n'as pas les papiers. Tu es là, tu dors. Tu dors. On te dit qu'on redonne aux orphelins, tu dors. Continue de dormir. Il y a les adultes que tu as 45 ans. Personne n'a jamais sorti une prière en ton nom. Donc dans le spirituel, tu es attaquable jusqu'à. Parce que tu n'as aucune protection. Personne n'a jamais pris un bonbon comme ça, dit que je donne le bonbon aussi pour mes enfants. Les gens viennent y boivent ton énergie n'importe comment. Tu es ce malade, Rosala. Quand je me suis rendu compte de ça, c'était en 2013. J'ai commencé à semer en mon honneur, en l'honneur de mes enfants. Sur ma tête, sur la tête de mes enfants. Sur ma tête, sur la tête de mes enfants. C'est ça qui fait que souvent tu reçois quelqu'un te donne l'argent pour rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui on n'a jamais rien donné pour rien? Donc, un jour, une femme m'appelle, elle me dit, hey, on m'a donné 50 000. Que depuis que je suis née, quelqu'un ne m'a jamais dit que prends. Il faut toujours que j'ai travaillé ou j'ai tellement demandé jusqu'à... Oui. Connaissez où vous marchez, s'il vous plaît. Il y a les principes spirituels que quand tu engages, tu connais que ma vie va changer, ma vie sera différente. That's for sure. Et ceux qui veulent donner à l'association Leaders de Reine Lumière, on jeûne le premier, le 2 et le 3. Chaque jour, faites un don ou bien vous faites le premier ou le dernier jour. On va sortir samedi pour donner à manger aux sans-abri. Mercredi qui suit, tous les mercredis, on donnera le petit déjeuner à Douala, en face du lycée d'Aqua, devant mon magasin. Voilà, là-bas on va faire le petit déjeuner, on va venir prendre. Vous contactez le 237 680 71 0701. Peu importe votre pays, on va vous répondre.